Laurent. Oui. Bah viens. J'arrive. Oh là, oh là, oh là. Lynn Romero, bonjour. Tu connais ma mère? Bonsoir madame. Bonjour monsieur. Ma mère est une grande fan de l'émission, bah mais, ouais. mais elle regarde toutes les semaines, elle me dit « Mon fils, tu es beaucoup trop grossier, ouais. donc la semaine prochaine, je viens pour te surveiller parce que tu donnes une mauvaise image de la famille. » Ah ouais. Écoutez, en tous les cas, une chose est certaine, c'est que à la veille de la fête des mères, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous symbolisez un peu toutes les mamans. Merci Pierre. Votre fils a une telle réputation que lorsqu'une jeune femme vient dans l'émission, elle vient en pantalon. Mais ouais, moi non plus. Et vous non plus, depuis bien loin. Pareil, hein. Il serait capable de relever votre jupe. Hein, Laurent ? Oui. Ah, tu verras, quand ma mère est là, je suis très différent. Hein. Détends-toi, chérie. Oui, maman. Je crois que l'année prochaine, vous allez faire toutes les émissions. Tu payes bien, ouais. Oui. C'est bon, je m'inscris tout de suite. Ah, voilà, elle dit oui, tu vois, c'est formidable. Elle est vénale, ta mère. Oui, c'est comme... ce qu'on appelle une vieille pute. Oh non, Laurent, c'est la fête des mères, enfin, Laurent. Tu vas te calmer, petit connard. Pardon, maman, excuse-moi. C'est SLT, première partie. Et on commence avec notre Téquitois de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Verino, bonsoir. Bonsoir. Alors, Verino, vous êtes humoriste. Ouais. Faites de la scène. Faites des festivals d'humour. Et... faites des vidéos sur YouTube. Basique. Basique, simple. Alors, vous avez fait le cours Florent pendant un an. Et le public vous a découvert dans On ne demande qu'à en rire. Ouais. Basique. Basique. Vous avez 35 ans. Ça fait 18 ans que vous êtes avec votre femme. Et vous avez deux enfants. Basique. Basique. Moi, ça fait 60 ans que je suis avec la même femme. Qu'est-ce qui n'est pas basique chez vous? Alors rien, finalement. Si, je suis aussi acteur porno et... Ah ouais. Mais là, ouais, j'ai une double vie. Alors le problème, en fait, c'est que vous êtes un mec assez normal, assez banal. Regardez cette photo, là, vraiment. Oh là là, ouais, ouais. Ça va faire trop plaisir à mes parents de me voir dans cette position. Ah ouais, vous avez vraiment une tête à bosser chez AXA ou à la banque. Vraiment, chauffeur Uber, ouais. C'est parfait, quoi. Ouais. Alors, on cherche des trucs, évidemment. Alors, j'imagine que vous fumez. C'est une invitation. Je parlais des cigarettes. Non, j'ai arrêté. Vous buvez? Non, je ne bois pas. Vous droguez, j'imagine. Évidemment, évidemment. La vous prenez quoi? Avec de la Seine, mon bon ami. Ah, d'accord. Elle est là, ma drogue. Alors, il y a un truc quand même, en terminale, vous avez séché un cours une fois, tu vois, il était déjà en couple avec, avec sa femme, Marion, et là, vous avez passé la nuit ensemble, et vous dites, on a passé la nuit ensemble à faire autre chose que réviser. C'est ça, on faisait du Scrabble à l'époque, je me souviens, voilà. On était dans un club. Et du coup, vous n'êtes pas réveillé à l'heure du cours de philo. C'est vrai. Et c'est un truc énorme. C'est le truc le plus grave qui me soit arrivé. Bah, je sais qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, j'aurais leur dire, vous n'êtes pas seul, visiblement. Alors, il y a aussi le jour où vous avez pris une cuite. Ce jour-là. Ah, il a pris une cuite, alors c'était dingue. Hein. Il a expliqué trois fois au chauffeur de taxi où est-ce qu'il habitait. Hein. C'était un quepon, un gueudin, quoi. Ouais, non, mais le truc qui n'est pas dit, c'est que derrière, je jouais. Ah, en spectacle. Ouais, ouais. D'accord, c'est oui. ça qui est intéressant. Ah oui, d'accord, c'est un peu plus... Bah, je suis monté sur scène avec des gens qui avaient payé, qui ont entendu juste une heure de « avant ». Et là, pour le coup, c'est un peu plus quepon. Alors, quand on vous demande quel est votre fantasme sexuel, vous dites « faire l'amour avec ma femme ». Avec votre femme, oui, c'est exactement c'est ça que j'ai répondu. Alors, il faut dire quand même, c'est extraordinaire, moi, je suis très admiratif d'une certaine façon, mais en fait, vous n'avez connu qu'elle. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça fait 18 ans que je suis avec la même, donc voilà. Ça, on a développé non, des techniques. Mais c'est pas reproche, simplement, c'est... Alors, quand elle était enceinte, par exemple, vous n'avez pas baisé pendant 4 mois. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et il dit à la fin, tu tousses du sperme. Hein. Ouais. Tout en élégance, mais c'est vrai que c'est ça. Non, mais c'est la vérité. Bon. Et alors, vous êtes avec elle depuis l'âge de 17 ans. Exactement. Et vous avez 35 ans. Et voilà. Il est fait pas, vous faites 25. Hein. Eh ben, écoutez, merci, parce que quand j'aurai 50 ans et que je me ferai larguer comme une merde, je pourrai baiser toute la planète. Et là... Alors, ce qui est terriblement normal aussi, c'est la façon dont votre fils vous traite. On regarde. Tu fais humilier par mon fils.
J'ai deux enfants, c'est le grand, celui qui a 6 ans et demi. Il restait plus qu'un yaourt dans le frigo et les deux en voulaient un. Et donc je sors le yaourt et je le donne aux petits en me disant ils vont partager. Sauf que j'ai pas le temps d'expliquer au grand que c'est chacun son tour et il me regarde et il me dit mais pourquoi c'est lui qui a le yaourt? Du coup je lui explique, tu vois, je dis bah tu sais, c'est normal dans une famille quand il y a deux enfants, il y en a toujours un qu'on aime plus que l'autre. J'avoue, dans ma tête à ce moment-là, je fais ah ouais, putain, bonne vanne, mais peut-être je suis en train de flinguer quelqu'un. Et il me regarde, il me dit bah je comprends, c'est quand on a deux parents. Il termine même pas sa phrase, mon pote, en finesse. Bravo. Très drôle. Vous êtes marrant. Non, là, c'est une vanne de mon fils, hein, que vous avez prévu. Non, non, elle est bonne, elle est bonne, votre fils. Mais merci. Alors voilà, ça marche pour vous, ça marche vraiment ouais, bien. Cool. Vous êtes au grand point virgule que vous remplissez. Et le 26 octobre, vous allez essayer de remplir le Grand Rex. Ouais. 700 dates au grand point virgule, et puis Bobino, Olympia, et là, maintenant, Grand Rex, c'est... Je touche du bois pour qu'on la remplisse, cette salle. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. On rit de tout, du terrorisme au handicap. Celui qui m'intéresse vraiment, c'est le deuxième qui s'est passé sur les Champs-Elysées. Il y a eu un seul mort, le terroriste. Je pense que t'as raté ton attentat. À partir du moment où tu vois le gendarme faire « on va faire un constat ». Sans lui, il aurait fait le 11 septembre en ULM. À mi-chemin entre Seinfeld, Louis C.K., mais avec cette petite touche à la française qui fait que oui, c'est un stand-up, mais c'est certainement le stand-up du futur. J'adorerais être un bon papa, mais des fois, je me rends bien compte, j'ai des idées. L'autre jour, j'ai fait une insomnie, j'ai eu envie d'aller réveiller mes enfants. Tu sais, peut-être de temps en temps, c'est pas mal de rentrer dans la chambre. Alors, c'est chiant ou pas de se faire réveiller à 4h du matin? Mon père, il a fait un cauchemar. Il y a vraiment une partie de mon cerveau qui a dit, pédagogiquement, ça se tient. Alors évidemment, vous ne parlez pas que de famille, on l'a vu, non, ouais. Vous parlez d'autres choses, mais quand même, je vais vous faire une interview fatherfucker. Vous vous occupez souvent de vos enfants? Oui, ceux dont j'ai connaissance, peut-être après il y en a d'autres. Est-ce que vous vous êtes déjà servi de vos enfants pour draguer? Mes enfants sont trop intelligents, mon gamin. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je peux pas. S'ils voient que je me sers d'eux pour draguer, ils vont me faire chanter derrière. pas rentrer dans ce... Est-ce que vous avez déjà oublié l'un de vos enfants quelque part? Non, c'est impossible ça. Ah ouais, pourquoi? Ouais, ils ont une espèce d'alarme. Au bout de 3 mètres, on les a laissés quelque part et ça, on se dit, il n'y a plus le bruit qu'il y avait de manière générale. Et en fait, c'est qu'on les a oubliés. Vos enfants, comment ils jugent votre métier? Je crois qu'ils sont jaloux. Ouais. Bah, en vrai, je vais tous les soirs jouer. Eux, ils se font chier à bosser à l'école toute la journée. Ouais. Je crois vraiment qu'il y a une espèce d'injustice. Alors, est-ce que vous avez assisté à la naissance de vos enfants? Ouais. Enfin, oui, des deux, en fait. Ah ouais. Et je me suis fait voler mon émotion. Je suis arrivé à la maternité, j'ai entendu une femme qui avait accouché, qui avait un bébé, et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Et du coup, quand c'était à mon tour, bah, du coup, j'étais moins... tu vois, soir, ouais. Est-ce que vous avez déjà giflé ou donné une fessée? Non, jamais. T'as été beaucoup battu, toi, Laurent, par ta mère, ouais. À coup de savate. J'avais la trace du talon sur le cul. Il est encore... Non, mais moi, ma mère, elle veut pas que j'en parle, mais tant pis. Un jour, elle m'a cassé une brosse à cheveux sur la tête, comme ça. Non, et ben moi, je suis arrivé en retard en cours de philo. Ouais. Quand j'avais 18 ans. Ah ouais. Non, parce que vous racontez vos malheurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur les miens. Ici la voix. Oui. Thierry, quand l'émission devient à ce point trash, ne vous étonnez pas si elle est déprogrammée en fin de soirée. Quand on est en couple depuis 18 ans et qu'on a deux enfants, est-ce qu'on a encore des fantasmes? Oui, mais pas qui sont liés aux deux enfants. Je sais pas où allait votre question à la base. Elle était très bizarre. Ça va? Oh non. T'as vu ce qu'il a fait là, hein? Bah tu... Mais là, il a peur. Il a peur. Il est terrorisé. Détends-toi, chérie. Détends-toi. Enlève ta main. Je ne mange pas de ce pain-là, maman. Et on passe maintenant à notre T'étais où de la semaine? Corinne Touzé, rebonsoir. Alors, quand on vous demande t'étais où, vous répondez sur les planches. Au théâtre. Alors, Corinne, vous êtes ici ce soir pour une pièce intitulée Voyage en ascenseur, donc une comédie de Sophie Forte, qu'on pourrait mettre aussi dans les t'étais où. Comment elle va? Elle n'est pas morte. Hein, non, elle n'est pas morte. Non, si je dis Sophie Forte, je voyais Sophie morte. Non.
Ben, va très bien. Mise en scène de Anne Bourgeois, donc c'est au Théâtre Rive Gauche à Paris. Alors le pitch, vous êtes Juliette, une grande bourgeoise, mariée à Vincent, un chef d'entreprise. Un vendredi soir, vous lui faites une surprise à votre mari, vous débarquez au bureau pour partir en week-end avec lui, et là, c'est le drame. Le drame, le drame. Vous vous retrouvez coincé dans un ascenseur avec Mokhtar Wamba, l'homme de ménage, donc, qui est joué par Jean-Ernst Marie-Louise. Absolument. Voilà, et en plus, vous avez perdu noir. T'as compris ? Et lui, d'ailleurs, il vous dit que dans ses gènes, il y a quand même du cannibalisme, quoi. Absolument. Voilà, donc c'est assez... Mais il a peur d'elle aussi, hein. Ouais. Mmh. Alors, évidemment, il y a un emprisonnement physique. C'est d'être dans l'ascenseur avec ce noir. Mais il y a aussi un emprisonnement mental, parce que ça veut dire qu'on est prisonnier de nos préjugés sur les noirs et les noirs sur les blancs, etc. C'est l'intérêt de la pièce. C'est un prétexte, oui, l'enfermement est un prétexte. Bien sûr, bien sûr. On regarde à quoi ça ressemble. Voyage en ascenseur, donc. Ce théâtre Rive Gauche. On peut souligner la qualité des dialogues. Oui, bien sûr. C'est cool le théâtre, non? Vous êtes revenu à vos premières amours finalement. Oui, ça fait 8 ans maintenant que je suis sur scène, je m'éclate. Ben ouais. Voilà, ouais. Parce que vous aviez déclaré, après TF1, j'ai été blacklisté pendant 3 ans, j'ai vécu l'enfer, j'ai eu peur de vieillir. Pour sortir de l'impasse, je me suis tourné vers la scène et c'est le théâtre qui m'a sauvé la vie. J'ai effectivement été blacklistée pendant 3 ans, mais il n'y a pas de raison précise, si ce n'est que j'avais quitté la série en pleine gloire. Oui. Donc on ne me l'a pas pardonné, mais les autres chaînes auraient pu m'engager aussi, mais elles ne l'ont pas fait. Oui. Voilà, donc moi, en fait, l'année où je suis partie, j'étais sur scène 7 mois plus tard, et depuis, j'y suis toujours. Non, mais c'est vrai, quand on est comédienne, on n'a pas le droit de vieillir, quoi, c'est terrible. Est-ce que vous avez vu cette pétition à Cannes, là, de l'Association des actrices et des acteurs de France, à propos de ce qu'on appelle le tunnel des 50? Il n'y a que 6% des rôles attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai monté ma boîte, je produis mes pièces, je me bats, j'essaye de ne pas attendre, de ne pas dépendre des autres. Des fois, bon, ben voilà, il y a des hauts et des bas. Mais c'est vrai, bon, quand vous avez quitté la série, ouais, vous avez déclaré, lorsque nous avons tourné les derniers épisodes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bon, on a tous pleuré, on a passé 11 ans ensemble. Moi, quand j'ai arrêté Tout le monde en parle, j'ai pleuré aussi. Quand j'ai arrêté Lunettes Noires, j'ai pleuré aussi. Ouais, mais bon, c'était une équipe, c'était une famille. Moi, quand je regardais la série, je pleurais aussi. Ouais. je le redis, c'est très important parce qu'il a été écrit et dit n'importe quoi. On a été très heureux. La femme d'honneur fait partie des plus belles années de ma vie, de la télévision. Juste à un moment donné, j'ai demandé d'avoir la possibilité de faire autre chose. On m'a refusé cette possibilité, donc je suis partie. Vous faites autre chose, c'est très bien. Voilà. On regarde. Thank you.
voilà, donc une femme d'honneur. Alors le pilote, en 1996, le pilote de la série a fait 12,3 millions de téléspectateurs. C'était une époque absolument bénie. Incroyable. Dès qu'on faisait un truc. Et en plus, vous avez eu un 7 d'or, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. On regarde. Bonsoir. Je ne serais pas là ce soir sans mes parents, bien sûr. Sans Marion Sarraud, qui, il y a 15 ans, m'a offert mon premier rôle à la télévision. Et qui, ce soir, est... grâce à elle, je suis là ce soir car elle a réalisé La Femme d'honneur. Tout au long de ces 15 années, il y a eu des hauts, des bas. Il y a des gens qui m'ont jamais laissé tomber. Et ces gens-là, je ne les ai pas oubliés. Alors, je ne vais pas les citer ce soir parce que ça va vous ennuyer, puis il est tard. Mais je vais les appeler demain. Je vois Roger qui est là, et Christine. Et je vais leur dire ce que j'ai dans le cœur. Pas facile. Surtout avec une coiffure de merde. Hein. C'était les années 80, tu sais. Alors, j'ai reconnu Hervé Bourges, que je salue. C'est grâce à lui que je fais de la télévision. Merci Hervé, tant pis pour les gens. Alors, il faut dire que l'adjudant chef Isabelle Florent a révolutionné l'image des gendarmes, parce qu'avant vous, c'était ça. Et avec vous, c'était ça. Voilà, c'est quand même mieux. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est pas mal, ça te plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères à la télé, à part les émissions de Laurent, évidemment? À part tes émissions à toi. Il n'y a que ça que tu aimes, moi, mais c'est normal. Dis la vérité, maman. Qu'est-ce que tu regardes tous les jours? Hein? Il y a un piège, là. Ah, dis la vérité. Non! Si tu le dis, je te gifle. Ah oui, bon, ça ah bah va. Oui, bah c'est bien. Plus belle la vie, ça va. Non, mais tant, ça va. Et moi, je me mets devant le poste. Elle me dit, mais barre-toi de là! Barre-toi de là! Elle a le droit de regarder ce qu'elle veut, ta mère. Bien sûr, ah, mais c'est pas un jugement, non, c'est très bien. C'est une merde, hein. Faut dire ce qui est. Non, c'est très bien. C'est Marseille. Ouais, j'ai vécu 22 ans là-bas. C'est... Alors, Corinne, à l'époque, les sondages vous citaient parmi les plus belles femmes du monde. Et il y a un sondage Ipsos 2004. Vous étiez troisième derrière Monica Bellucci et Isabelle Adjani. C'est pas mal quand même. Et cette beauté, en fait, je ne le savais pas. Et je l'ai appris en préparant cette émission. En fait, c'est la beauté du métissage. Oui. Je ne savais pas que vous étiez métisse. Merci, je prends. Votre père est martiniquais et votre mère est dalmate, enfin italo-yougoslave, quoi. Oui, comment vous avez dit? Dalmate. Je ne connais pas. La Dalmatie. C'est des taches en général. Oui, mais... Mais alors, le climax de votre vie, c'est au Festival de Cannes, en fait. Vous rencontrez Robert Redford. Ah oui. Et il vous dit, you're beautiful, you know. Robert Redford. Avec cet accent-là? Non. Avec un vrai accent. You're beautiful, you know. Okay. Et alors, vous avez dit, c'est le plus beau jour de ma vie après la naissance de ma fille. Oh, j'ai pas dit ça, si. C'est pas ah, bah, vrai, c'est... mon Dieu. Mais vous rendez pas compte, il était en haut des marches et il était tout seul. D'habitude, c'est notre ouais, monde, tout ouais, ça. Ouais. Ils étaient tous rentrés, on était en retard. Et moi, j'avais des talons de 42 000 cm, une traîne, qui, voilà, et je montais, mais je lève la tête, et qui je vois? Le sosie de Robert Desmond. L'homme de ma vie, non, mais, l'homme de ma vie, c'est le, ah, mais il est très le plus beau. Bel non, mais acteur il était de sa d'une génération, beauté. Mais il est à ah, non, tomber mais franchement, par terre. Moi... Et alors, le pire, c'est vrai que ça le pire, c'est que, donc il me fait ce compliment, il n'est pas obligé. Déjà, il n'est pas obligé d'attendre que je monte les escaliers, il a autre chose à faire, il n'est pas obligé de me tenir à la porte, il a... bon, bref. Moi, là, je suis devenue rose tomate, pivoine, melon, ce que vous voulez. Et une fois qu'on nous a accompagnés dans la salle, oh, il était assis devant moi. Ah oh non, c'est trop beau. Donc, j'ai passé trois plombes à regarder sa nuque au lieu de regarder la télé. Vous savez qu'aujourd'hui, pour une phrase comme ça, vous pourriez lui faire un procès en harcèlement sexuel. Ah oh, non. Oh, bon, non, pas lui, il était trop élégant. Ah. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Verino, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. On se retrouve après la pub pour la suite de SLT, première partie.
matin, les samedis, nous sommes de retour dans SLT, première partie, en compagnie de Corinne Touzet, de Laurent Baffy et de la maman de Laurent Baffy. La première fois que t'as connu madame... Elle veut pas que je le raconte. Mais raconte-le, pourquoi? Non. Mais alors, je t'en mets. Je demande à Laurent. Mais Laurent, ouais. Écoute, il est... Bouge-toi, en fait, bouge-toi les oreilles. En fait, il est rentré dans ma... Après une émission, il rentre dans ma... Il avait invité sa maman et la sœur de sa maman. Ouais. Il rentre dans ma loge, il fait les deux putes que je t'avais promis. Mon Dieu, c'est horrible. Comment tu l'as fait, celui-là? Mais c'est pas possible. J'étais pas toute seule. Hein. Oui, c'est... Patrick Sébastien. François Lamiens, Djibril Cissé. Écoute, plateau extrêmement... Que des gens bien. Ah ouais, aujourd'hui, je suis rencontre François pour la première fois, je rêvais de le rencontrer. Ah ouais, non, mais ouais, moi aussi. Il est énorme. Ouais. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à notre Théo top du top de la semaine. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Non. Mais c'est beaucoup quand même. C'est pas pour moi. Mais c'est pour toi. Ah. C'est pour toi. Bah, c'est pas pour l'autre blaireau. Hein. C'est pas pour moi. François Damiens, comment bonsoir. François Damiens. C'est vrai que même vous, vous savez pas quel est le nom, quel est le prénom, en fait. Non. Non. Non, ça, en fait, je suis originaire d'Amiens, en France. Ouais, François Damiens, voilà. Bon, c'est pas non, vrai. C'est vrai. Pourtant, on dit Amiens et au moins, on dit Damiens. Non, François Damiens, j'adore vos caméras cachées. Vraiment, j'ai toujours été très, très fan de vos caméras cachées. Il y a une que je préfère, c'est celle où vous faites croire à Louane que vous êtes sourd-muet. Ouais. Ah, c'est la meilleure. Formidable. Alors, votre vocation d'emmerdeur professionnel se révèle dès votre prime enfance. Vous attachez les cartables avec des cadenas, vous mettez des verres d'eau sur les portes, vous faites des canulars téléphoniques. Le jour où vous avez un boulot, votre patron vous dit « Vaudrait mieux que tu restes chez toi ». Vous allez au conservatoire et le prof vous dit « Vaudrait mieux que tu restes chez toi ». Donc, c'était un peu récurrent, cette histoire de « Vaudrait mieux que tu restes chez toi » quand même, non? Ouais, non, c'est vrai. Et là, vous êtes devenu stagiaire, donc sur Striptease. Mm-hmm. Et c'est là que vous inventez votre personnage de François Lambrouille, le héros de vos caméras planquées. On regarde à quoi ça ressemble. Non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Attends, parce que si tu bouges après ça... C'est tatoué, là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi, ça? C'est un élan. Mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas l'enlever? Ben non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es vexant, hein? Fais pas un truc à main levée comme ça sur le corps. Quand tu mets une chemise, on le voit pas, hein? Oui, vous l'imaginez comme ça? Non, mais attends, mais écoute-moi, mais ça ressemble à rien quand même. Et tu travailles à Bruxelles ou tu travailles. Non, je travaille à Bruxelles, ouais. Voilà. T'es dans quel secteur? Secteur, hein? Dans le même secteur. Toujours dans le même secteur. Et quelle activité? Dans le secteur. Dans le secteur? Ah, ouais, c'est bien. On m'a dit dans quel secteur tu veux travailler, j'ai dit d'accord, m'engager. Ah oui, c'est chouette, ça. Ouais. Bonjour. Vous savez, vous n'avez pas le droit de rouler avec des planches comme ça, hein? Vous n'allez pas me verbaliser. Je peux pas vous laisser aller sur l'île de Ré avec ça. Il y a 80 000 personnes sur l'île de Ré maintenant, vous donnez un coup de frein avec ça, il y a toutes les planches qui foutent le camp. Écoutez, on me laisse passer, on ne me laisse pas passer, c'est tout. Vous me donnez 10 euros et... Non, c'est niet. Le chantage, je ne céderai pas au chantage. Ce genre de chantage, sûrement pas, monsieur. Et ça va pas se passer comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie, hein? Mais non! Je ne me fais pas racketter. Ou vous me laissez passer, ou j'ai déposé plainte maintenant. Je ne céderai pas à ça. Non, alors là, c'est la meilleure! Alors, est-ce qu'on me laisse passer, oui ou non? Vous n'avez pas quelque chose à donner? Je ne savais pas que ça faisait aussi mal d'être une femme, en tout cas. Et normalement, à partir du mois de septembre, je vais commencer à avoir mes règles aussi. Ah bon? Ça va être quelque chose, hein? Ils m'ont dit que mes seins allaient encore plus gonfler. C'est pas trop gros. Non, plus gros, je préférerais plus gros. C'est des fours, hein? Regarde, sans. On voit directement que c'est des fours. Ah non, sans, juste sans. Non, je veux pas que les gens disaient que... Regardez, on va faire comme ça. Sans.
ensuite, il y a le cinéma. OSS 117, Dick Neck, l'Arnaqueur, et ça. Je ne m'enfuis pas, je veux. Comprenez bien, je veux. Sans fumer, sans alcool, je vole. La famille Bélier, 8 millions et demi d'entrées. Vous avez dû faire du blé. Qu'est-ce qu'ils font les Belges pour pas payer d'impôts? Ben, on déclare pas tout. Ah, d'accord. Parce que nous, on va en Belgique, mais vous, vous y êtes déjà. Non, on s'arrange ben, entre nous. Quoi. Entre Belges, oui. On travaille pas avec des tables en verre. Quoi. Vous avez été nommé deux fois au César. Chaque fois, vous aviez préparé un discours et puis vous n'avez pas eu le César. Ouais. Et pourtant, Les Cowboys, j'étais venu en parler ici, c'est un film de Big Gun que j'aimais beaucoup. Mais la grosse déception, c'est même pas ne pas avoir le César, c'est ne pas faire le discours. Ouais. Mais il y en a un qui était bien quand même. C'était un discours de remettant, mais il était super. On regarde. Merci infiniment. Je suis extrêmement flatté, honoré de remettre ce César des courts-métrages. Mais avant tout déçu aussi, oui. Parce que derrière un film, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas que de l'arnaque. Tout ça, c'est fait sans prompteur. Moi, je peux regarder en haut, hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. On s'est donné un mal fou, on y a cru. On nous a fait croire qu'on avait une chance. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être victime d'un complot. Ça fait mal. Le discours est top. Il n'y a pas besoin d'avoir un César pour faire un bon discours, tu vois, il est extraordinaire. Et là... Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. François Damiens est ici ce soir pour Monquette, votre premier long métrage, entièrement réalisé en caméra cachée. Vous dites, j'adore jouer des comédies avec des gens qui, eux, ne sont pas au courant, en fait, qui joue, on ne peut pas être plus juste que dans le réel, parce qu'on est dans la vraie vie, quoi. Bah, oui. Bah, oui, je pense que c'est vrai que les acteurs ou les actrices, ils essayent de tendre à être le plus proche possible de la réalité. Mais tandis que quand quelqu'un ne sait pas qui joue, bah, il ne sait pas jouer mieux, quoi. C'est génial. Et donc, C'est même plutôt moi qui ramais pour essayer de... Parce que j'ai joué aussi bien que... Ça s'appelle Monquette, donc ça veut dire mon fils, en belge. Oui, c'est ça. C'est la projection un peu du père sur son fils. C'est un peu... Il essaie de transmettre en fait ce qu'il a perçu. Donc il essaie de le faire réussir là où il a échoué. C'est l'histoire d'un homme qui s'évade de prison en hélico pour retrouver son fils de 15 ans. Et à partir de là, les caméras cachées s'enchaînent. Donc à l'école, il y a le guérisseur, il y a les beaux-parents. C'est vraiment très drôle. Franchement, c'est très réussi. Non, mais j'espère que les gens vont comprendre je suis tourné en caméra cachée. Je suis sûr. Parce que j'ai fait une interview la semaine passée pour un grand quotidien. Il me demande à la fin, la sœur au micro, il me dit « Les beaux-parents, ils sont piégés ?» Je fais « Ouf !» J'ai peur qu'on ne comprenne pas en fait que tout est tourné en caméra cachée et surtout qu'il n'y a pas de fausse caméra cachée. Quoi. Ouais, ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Je sortirai quand j'aurai envie de sortir, parce que j'aurai décidé que j'ai envie de sortir. Et quand je déciderai que je voudrais sortir, tu en diras. Je sortirai, t'as tout compris. J'ai bravé tout ce que j'avais sous mon passage. J'ai jamais eu peur d'une barrière. On voudrait bien vous ouvrir la barrière. Je vois bien que vous êtes... Honnête. Non. Sullivan, c'est papa, viens. On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Boum. Quel est le motif de votre visite, monsieur? J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. Oui. C'est open bar, ma chaise. Monsieur. Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bon? Ils voudraient le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunies. Vous êtes un con! C'est quoi pour toi un bon père? Qui est là quand il a besoin de toi? Moi, je voudrais trouver une femme, une maman pour le gamin. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné. Hein. J'ai un testicule coincé! Je suis un winner, moi, je suis pas un loser.
Et toi, tu voudrais sortir avec moi? Je suis en manque. Ouais. Voilà mon quête 2 et avec François Damien en salle le 30 mai. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour chaque séquence, donc 12 personnes ont été piégées, et vous avez gardé la meilleure, il y a eu 300 personnes piégées pour faire le film. Il y a 7 caméras, des caméras cachées à 7 caméras, c'est quand même du luxe. Et ici la voix. Oui. Oui, Thierry, à quel moment vous allez révéler à François Damien que toute sa séquence sera coupée au montage? Parce que là, il a l'air d'y croire, ce con-là, ça fait de la peine. Dans le film, il y a 25 acteurs qui jouent donc à leur insu, une équipe de 40 personnes. Vous n'aviez jamais eu ça, quoi. C'est... Non. Mais c'est ça qui est un peu flippant. Ouais. Parce ouais. que sur la télévision, on est 6-7, donc si on se plante, on recommence le lendemain. Tandis que là, 45 personnes, et puis je ne sais pas si les gens vont venir. Au-delà de la performance technique et artistique, c'est un film sur la paternité, en fait. Mmh. Vous dites, c'est le thème des pères qui essaient de faire de leur mieux pour élever leurs enfants, mais qui, au final, font tout le contraire. Ouais. Et en regardant, on sait que c'est le gamin qui va morfler, quoi. Ouais. Ben oui, ouais. Il essaye de sortir de prison pour retrouver ouais. son fils, parce qu'il se dit que son fils est mal entouré. Ouais. Et en fait, il va juste lui donner de l'amour et du temps, et tout le reste, ben, il va lui apprendre à fumer, lui apprendre à boire, le déscolariser, enfin, ouais. La vie, quoi. Vous faites un Danny plus vrai que nature. Mais ça vous fait pas peur de voir à quel point vous jouez bien les cons? Non, mais je les observe depuis toujours. Ah ouais. C'est ce que je préfère. Ah ouais. Je préfère être avec un con que seul, quoi. Ah ouais. Là, tu vas avoir de l'inspiration aujourd'hui. Ouais, ouais, là, Alors, Danny, le personnage que vous jouez, donc, ce que vous appelez un baraquis, c'est-à-dire un mec en marge, sans foi ni loi, qui a aucun filtre et qui dit tout ce qui lui passe par la tête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il est ni au-dessus ni en dessous des lois, il les ignore. Il est ailleurs, vous dites. Un cow-boy qui navigue entre la prison, la cavale et la liberté. Voilà. En sachant que sa vraie place, c'est en prison. Ouais. C'est pas normal quand il est à l'extérieur. Ouais. Alors, comme vous êtes quelqu'un de... pas très net. Non. Ça, je le reconnais, je suis pas blanc. Non, vous êtes... plutôt rouge. Mais vous êtes pas blanc-bleu, quoi. Vous êtes un peu bizarre, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis pas tout net. Non, mais c'est vrai. Je vais vous mettre en observation dans un hôpital psychiatrique. On va faire une interview. Hôpital psychiatrique. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais... Je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base? Ouais. François. François comment? Damien. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. Je m'appelais Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de Belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es Belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Bah, moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais? Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, là. Je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi, aller bien? Aller bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Moi, ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah oui? Oui, donc t'as peur. Ouais, je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bref, faut être un peu con, je crois. Ouais. T'es connu, hein, maintenant. Ouais. Ça te rend fou, ça, non? Ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Oh, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça c'est vrai ouais, en plus. Ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec viens, toi. Viens, on s'évade. Bien. Allez. Alors, je vous dois la vérité, cette interview, nous l'avions enregistrée la veille du drame du Bataclan. L'émission n'avait pas été diffusée. Et comme j'aimais beaucoup l'interview, je voulais que tout le monde en profite, voilà. Et comme tu es producteur de l'émission... On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens.
Samy avec nous ce soir. Six supérieurs. Patrick, Sébastien, François Damien, Corinne Touzet, Djibril Cissé, Laurent Baffy et la maman de Laurent Baffy. Premier terrien invité ce soir, celui qui a un cœur gros comme ça, celui qui pense que le plus important, c'est l'amour, celui qui veut qu'on s'aime, merde quoi, putain. Patrick Sébastien. Ça, c'est quoi ? Il a enregistré ça, là. Au moment que je le dis, à la place que je suis, je veux de l'amour. Hop, voilà, autre terrien invité ce soir. Dans son premier film comme réalisateur, il joue à nouveau à cache-cache avec la caméra. C'est François Damien. Première terrienne invitée ce soir. Elle était une femme d'audience sur TF1 avec une femme d'honneur. Elle est désormais une femme de théâtre. C'est Corinne Touzet. Ouais. Autre terrien invité ce soir. Il est là pour répondre à la seule question qui compte. Est-ce que Cissé s'est trompé? C'est Djibril Cissé. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu arriver, ça. Alors, elle est belle. Voilà. Alors, je voulais dire simplement un truc avant de commencer l'émission. Dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, une famine terrible frappe la population. Personne n'en parle. 1,7 million de personnes sont touchées. Et 400 000 enfants risquent de mourir dans les mois qui viennent. Le journaliste Hugo Clément et Combini, en association avec Action contre la faim, lancent une levée de fonds d'urgence. Vous pouvez faire un don en vous rendant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, le groupe Les Gréements de Fortune et le hashtag SLT. Et maintenant, voici mon CDD. Il est toujours en CDD. Tom Villa. Ça va ? Très beau plateau ce soir. Non, c'est... Alors tiens, juste, si je peux demander à Didier Frouelli, à la réalisation, s'il peut faire un petit plan de nos trois amis, voilà. Ou si vous nous regardez, si vous voulez régler votre télé, c'est maintenant. Voilà, c'est... Ça va Thierry ? Super. Bon, bah, très bien. Quand on pense content. À notre première invitée, contrairement à Pénélope Fillon, on pense tout de suite à une femme d'honneur. C'est Corinne Touzet, s'il vous plaît. Corinne Touzet qui a joué pendant plus de 10 ans, voilà, une femme d'honneur sur TF1. C'est sûr qu'au début, c'était déroutant, parce qu'une femme qui dirige une gendarmerie, qui en plus ne boit pas, du coup, il y en a qui se sont dit, putain, c'est de la science-fiction ou quoi. C'était la... Non, mais c'était la grande époque. Il y avait Julie Lescaut, il y avait une femme d'honneur, il y avait femme de loi aussi. Parfois, les gens dans la rue encore l'appellent Isabelle Florent, en référence à la série. C'est toujours mieux que pour Véronique Jeunesse qui l'appelle Julie Facho. Mais voilà, c'est plus... Non, mais c'est vrai, je... En tout cas, là, Corinne, elle est au théâtre, dans Voyage en ascenseur. Alors, dans la pièce, vous jouez une femme hystérique, hypochondriaque, asthmatique, angoissée, qui va se retrouver dans un ascenseur avec un homme de ménage noir, bloqué au deuxième sous-sol, le week-end de l'Ascension. Voilà, je suis sûr que rien qu'en disant ça, il y a Jean-Marie Le Pen qui a vomi trois fois. Et non, dans la pièce, vous avez eu de la chance, Corinne, parce que vous êtes bloqué avec l'homme de ménage. Voilà, vous auriez pu tomber sur Patrick. C'est... Non, mais quatre jours dans un ascenseur, forcément, il y a un moment où il chante ça, quoi. C'est... Ouais, ouais. C'est évident, c'est évident. Le prochain, dans ses caméras cachées, il jouait des personnages tous plus tarés les uns que les autres. Mais il est belge, du coup, chez lui, on dit pas taré, mais compatriote. C'est François Damien, s'il vous plaît. Alors, François Damien, c'est comme François Hollande, plus connu sous le nom de François Lambrouille. Alors, François Hollande, il nous a fait une caméra cachée pendant 5 ans. Et on n'a toujours pas la chute de la blague, ça, c'est le problème. Ça, c'est le... Non, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, non, c'est, ce qui est extraordinaire, on a la chance d'avoir en plateau les trois meilleurs en caméra cachée. On a Laurent, Patrick et c'est François vrai, Damien. C'est vrai, c'est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est fou. C'est... Je vous dis la vérité, au début, j'ai eu l'idée de faire une caméra cachée. Puis je me suis dit que c'était peut-être plus facile de faire un petit pont à Djibril Cissé que de faire une caméra cachée à ces mecs-là. C'est pas contre toi, Djibril, non, mais c'est vrai. Bah, pour une bonne caméra cachée, il faut s'organiser, avoir un bon scénario, des gags, des rebondissements. Alors, au niveau de l'organisation.
Et il faut aussi... Oh. Oui, alors... Oui. Bien fait, pardon. Désolé, Thierry. Je... Bah oui, mais faut pas aller si haut, du coup, c'est... Tu fais pas tomber le gosse ceinture sur ma mère. Hein. François qui a réussi la prouesse de faire un film entièrement en caméra cachée, ouais. Où les seuls comédiens, c'est votre fils, votre femme et un pote à vous, c'est ça? Ouais, mon associé. Ouais. Votre associé, c'est fou ça. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dire oui, du coup c'est un film qui a coûté pas cher. C'est faux. C'est parce que tous ceux qui ont été piégés, ils ont été payés, mais après, voilà. C'est contrairement au fisc, tu te fais niquer, mais à la fin, tu te fais payer. Donc ça, c'est le gros avantage. Ça, c'est le... Thierry, on passe à notre invité suivant. Notre invité suivant, il est ce qui a rapporté le plus à Guirou, à égalité avec la cristalline. C'est monsieur Djibril Cissé, s'il vous plaît. Djibril qui... alors avant de parler du foot, on va parler de l'acteur. Il a joué dans Taxi 4, mais pas dans Taxi 5, comme Samina Seri. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Djibril, en deux films, il a fait Les 11 commandements et Taxi 4, il a fait plus de 7 millions et demi de spectateurs. C'est vous. Ça veut dire qu'en deux films, il a fait plus de spectateurs que Laurent Dutch dans toute sa carrière de cinéma. C'est fou quand même ça. Djibril, il a parcouru le monde entier dans sa carrière de footballeur. L'Italie, le Qatar, la Grèce, les mêmes destinations que les Chiliens et Marseillais, mais sans les MST. Et là, cette année, 36 ans, tu joues en 3e division suisse. Suisse, ouais. C'est fou. Qui est payé l'équivalent de la Ligue 1 française. Mais c'est... non, juste quelques chiffres de Djibril dans sa carrière. J'ai regardé 11 clubs, près de 300 buts, 250 blessures, 41 sélections en équipe de France, 9 buts sous le maillot tricolore, 123 tatouages, 4300 coupes de cheveux et seulement 2 de bien. Donc vraiment, c'est... Je suis obligé. Les coupes de cheveux de Djibril Cissé, j'en ai relevé quelques-unes. On a la crête mi-longue. Qui est très bien. On a la crête courte, voilà. On a la crête bleue, voilà. On a la crête rouge. On a la crête verte. Oh non. On a la crête verte avec une bande noire. Oh non. On a le labyrinthe. On a Spider-Man. On a les crottes de lapin. Et je vous laisse choisir pour la dernière, je sais pas. C'est bizarre ça quand même. Ça c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Ah, enfin, c'est moi, mais c'est pas moi qui ai choisi. Ah, d'accord. Okay. Bon, pour terminer, celui qui a beaucoup rigolé des coupes de cheveux de Djibril Cissé, pas de chance, j'ai retrouvé les photos de ses coupes de cheveux aussi, c'est monsieur Patrick Sébastien, s'il vous plaît. Ah bah là. Ah là, c'est un festival. Ah bah là, on va les faire tout de suite. Si, vous prenez, si vous prenez l'apéro, posez votre verre, s'il y a des enfants écartés du poste. Ah ouais. Alors, tiens, regarde, bon, ça c'est la première, non, voilà, c'était... Ouais, ça c'est... Mais c'est bien, voilà, bon, c'est après, voilà. C'est les débuts, ça. C'était les débuts, on a plaqué en arrière. Oula. C'est le film de Mocky, ça. Ouais. Voilà, ça on a un peu plus loubar, je dirais. Ouais. On a eu chauve quand il y a eu après le... Non, mais c'était le canular quand... Ouais. Juste après. Ouais. On a le petit mulet. Alors ça, c'est... Et alors, le dernier, c'est mon préféré. Je pense que Patrick a été dresseur de tigre, c'est évident. C'est des rajouts. Hein. C'est des extensions. Les coupes changent, mais c'est toujours la même tête de con. Hein. Exactement. 41 ans de télé, et le 16 juin prochain, c'est l'anniversaire, les 20 ans du plus grand cabaret du monde. Déjà, diront certains, plus pour longtemps, dira Delphine Ernotte. Mais non, alors juste pour situer, Delphine Ernotte, c'est la présidente de France Télé. Il y a des chances qu'elle soit peut-être pas très fan de Patrick. Et j'ai découvert cette semaine que Patrick, il a une clause dans son contrat qui lui empêche de dire du mal de France Télévisions. Il est hors de question que vous disiez du mal de France Télévisions ce soir. Je vais vous coacher. Alors on va faire un petit jeu. Non, c'est un petit jeu très simple. Il y a des phrases, il y a un trou à la fin. Vous rajoutez ce que vous voulez. Par exemple, bon, maintenant je peux l'avouer, mes chansons, c'est quand même de la grosse, trois petits points. Moi j'avais des connades. Voilà. T'as raison. Allez, on y va. La première. Chez France Télévisions, ils prennent parfois les animateurs pour des... Pour des professionnels. Exactement. Bravo. Moi, j'avais pour des grands professionnels. Mais tu vois, il est au poids, là. Tex, virer des amours. Oui, la blague était pourrie. Et lui, c'est un gros... Un gros copain qui me raconte des histoires très, très drôles. Ouais. Pas mal. J'avais bout en train. Et très, très fort, Patrick. Ouais. Si un jour, je suis viré de France Télévisions, je leur dirais d'aller tous se faire... Ah bah oui. Bronzer sur la plage. Pourquoi pas. C'est bien. Moi, j'ai la plage de Mykonos, on pouvait rejoindre l'autre réponse. Et pour terminer, je suis pas très fan d'elle, mais c'est vrai que Delphine Ernotte, c'est quand même une grosse... Une grosse dirigeante d'entreprise. Moi, j'avais bosseuse, bravo. Et bonne émission, bon courage. Salut, c'est Étienne Millard, mon CDD. On retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là, sur la pluie, MyCanal. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre invité... T'es un pote de la semaine. Ah bon, papa.
voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Tu te rappelles de ça? Avoir, maman. Ouais, elle fait bien. Avoir. Oui. Calme-toi. Patrick Sébastien, rebonsoir. Patrick, ça va, vous avez... Ça va très bien. Meilleure mine, le maquillage est top, parce que quand je vous ai vu arriver tout à l'heure au studio, j'étais inquiet, j'ai eu peur. Ça, c'est quand il est avant, tu vois, et après, ils font un boulot incroyable. Donc, vous avez toujours, je vois, votre pendentif guitare. La guitare, oui, guitare, des gypsies. Et on voit très bien que vous êtes... Voilà, vous, là, on la voit très bien. Ah, c'est Marine. Et, voilà, et on voit très bien le pendentif, là, voilà. Alors, c'est Chico, en fait, des Gypsy Kings, qui vous l'a offerte. Qui m'a offert ça, ouais. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que votre petite guitare, comme ça, pendentif en or, elle était moulée avec les dents de la maman de Chico. Non, il y en a deux comme ça. Et j'ai fait faire un double pour mon ami Jacques Malaterre. Alors, c'est génial, en fait. Tout le monde vous adore maintenant. Non, si, tout le monde m'adore pas. Et par bonheur. À part Delphine Arnaud, tout le monde vous adore. Et par bonheur. Et j'ai découvert un truc incroyable, c'est que le rédacteur en chef de cette émission, Nicolas Torjman, que tu connais, est allé faire tourner les serviettes avec vous. Dans un spectacle, oui. Oui, regardez, voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir un gros plan? Voilà, c'est ce mec-là, voilà. Ouais, parce que je fais monter des gens sur scène. Ah ouais, non. Je savais pas qui c'était. Est-ce que Nicolas Torjman pourrait venir sur le plateau pour enfin rencontrer son idole? Son idole, Patrick Sébastien. Il arrive. Nicolas, viens. Oh là là. C'était où? C'était où? À Cherbourg. C'était à Cherbourg, ça fait partie. C'est mon idole. Je t'ai tiré, c'est mon idole. Ça fait partie. Si j'avais su, je t'aurais jamais engagé. Qu'est-ce qui t'a pris de monter sur scène, Nicolas? Beaucoup d'alcool. Ah, merci Nicolas Torjman, le rédacteur en chef de Salut les Terriens, voilà. Ici la voix. Oui. Thierry, ne prenez pas ce petit air pincé, il n'y a aucune honte à aller à Cherbourg. Non. Alors, le plus incroyable, Patrick, c'est que vous êtes de bonne humeur. Mais malgré ce qui se passe à France 2, où c'est pas facile. Ça se passe rien, France 2. C'est pas facile tous les jours. Je vous ai trop résumé. Je suis le mal aimé. Il se passe rien. Vous avez signé votre contrat pour l'année prochaine. Voilà. On regarde le contrat. Là, moi, je trouve... Non. Moi, je... Vous êtes dégueulasse. Il y en a qui vont croire que c'est vrai. Mettez-vous à la place de Delphine Arnold. Je fête les 20 ans du cabaret là, bientôt. Voilà. Au mois. Et la dernière en même temps. Non, malheureusement, il n'y en aura que... Pour ceux qui aiment bien ça, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, il n'y en aura que 3 l'année prochaine, cabaret. Génial. Il y aura 4 années bonheur. Voilà. Et tout l'été, d'ailleurs, des best-of des années bonheur que j'avais livré il y a 2-3 ans et qu'ils enfilent à la Comme la quoi, ils vous laissent 7 émissions l'année prochaine, mais ils diffusent vos best-of. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Juste, c'est eux qui décident. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Bah ouais. Moi, je suis. C'est vrai que je préférerais avoir plus d'émissions parce qu'on va remplacer par des émissions qui font moins d'audience. Ça te fait quand même 2/3 d'émissions en moins. Ouais. T'es quand même obligé de licencier du monde dans ta boîte de prod. Ouais. Et t'habiller chez Emmaüs. C'est vrai qu'au départ, tu te dis, bon, c'est embêtant. C'est surtout embêtant pour les gens qui travaillent pour moi, et puis pour les gens. Y a pour des les gens 2 qui millions regardent. Et demi de gens samedi qui nous suivent. Samedi dernier, on a battu TF1, donc il y a quelque chose que je comprends pas. Mais en même temps, bon, il y a des choses. C'est quoi la vraie raison, en fait? C'est à eux qu'il faut demander, c'est pas moi. Non. Mais il y a des choses. Moi, j'ai tous mes potes autour qui ont des problèmes beaucoup plus graves que ça. Il faut relativiser tout ça. Non, le plus cruel de tout ça, c'est qu'il y a une clause dans votre contrat qui vous interdit de dire du mal de Delphine Ernotte, quoi. Non, de dire du mal de France Télévisions. Pour moi, c'est très gênant. Toi, non. Et d'ailleurs, dans mon contrat, il y a marqué Thierry Ardisson. Non plus, ne peut pas en dire. Sérieusement, est-ce que c'est pas l'élite qui fait la peau du divertissement? Ça, c'est... Alors, ça, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste. C'est pas réservé qu'à moi. Oui, parce que on après en a parlé pain d'air, après pain d'air, Sébastien, voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le pays, les cirques sont en train de mettre la clé sous la porte. Ouais. Les forains, on les jette. Les orchestres ont du mal. Les boîtes de nuit ferment. C'est-à-dire que tout ce qui est culture populaire, les gens qui ont envie
ces gens-là, cette espèce de culture populaire qu'il y a dans d'autres pays, des fêtes populaires, il n'y en a pratiquement plus. La culture élitiste et la culture populaire, elles sont complémentaires. Et ce qu'ils essaient de faire là, c'est de remplacer la culture populaire par une culture élitiste. Et moi, ça m'emmerde parce que mes potes, eh ben, ils font des soirées entre copains, ils n'ont pas honte de chanter des chansons, de chercher des divertissements vraiment populaires. Populaire, c'est devenu un gros mot, ça m'énerve, ouais. Ça. C'est tout bête, mais les bistrots, c'était des lieux de convivialité, ouais, les bistrots. Plus. Il y en avait 600 000, il en reste 6 000 en France. Alors que c'était des... Alors, est-ce que c'est une volonté politique que les gens ne se parlent pas et qu'ils restent dans leur coin? Comme ça, ça évite qu'il y ait des problèmes. Le grand complot. Non, pas un grand complot. Une très belle intelligence. Ici, la voix. Oui. Oui, il y a des téléspectateurs qui savent lire sur les lèvres. Donc, il faudrait que Françoise Damiens arrête de marmonner quelle bande de cons ces Français. J'en pense pas un mot. En tout cas, vos patrons, ils vous suppriment peut-être des cabarets, mais c'est quand même des sacrés magiciens chez France 2. En un an, ils ont fait disparaître Julien Lepers, William Lémergie, Georges Pernoud et Tex. C'est pas mal quand même. Faut rajeunir. À part que le problème, c'est que c'est pas des jeunes qui regardent la télé. Ils pensent qu'en mettant des animateurs plus jeunes, ils vont rajeunir le public. Mais le public de la télé, il est vieux. Les jeunes, ils regardent plus la télévision. Moi, j'ai trouvé un nouveau truc aussi le soir. Avant, je regardais un petit peu les Access, etc. Et depuis pas mal de temps, le soir, j'éteins la télé et je parle avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis et tout. C'est vachement bien aussi. Hein. Tu dois bien te faire chier. Non. Le samedi 16 juin, en prime sur France 2, vous fêtez les 20 ans du plus grand cabaret du monde. Attends. Ouais, y a de ça. On va voir maintenant le premier cabaret, il y a 20 ans. Et en fait, au départ, c'était pour les 100 ans du Moulin Rouge. Et après, c'est devenu une émission récurrente. Ouais. C'est ça qui est incroyable, quand même. Parce que ça a marché. Ouais. Tout ce qui est bien, c'est que ça a relancé tout ce qui est cirque, tout ce qui est magie. Ouais. On a filé des vocations. En plus, il y a des mômes qui sont venus, qui ont regardé l'émission, ils avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils sont à Vegas, ils font ce travail-là. Et moi, je suis fasciné par ces artistes-là. Même Baffy, il est passé un jour à travers un truc de couteau. Il m'a fait peur, ce fou-là. Il aurait pu se tuer. Ça, c'était extraordinaire. J'aurais pu me tuer, ma mère a fait « Ah, c'était génial ouais. !» C'était génial ouais. C'est vrai que c'est fantastique. Avant de regarder le premier grand cabaret, on va regarder Laurent Baffy dans votre émission. On regarde. Où tu as été complètement fou. Et là, je t'en veux parce que je crois que sur un plateau de télévision, tu m'as fait la peur de ma vie. Ah, fallait pas glisser sur le tapis. Hein. Parce que si tu glisses sur le tapis, t'es empalé, t'es mort. Hein. Ce que tu as fait, on va vous le passer, ça dure très peu de temps. Il y avait un cercle où il y avait des épées plantées. Il y avait eu un numéro avant où il y a un mec qui plongeait au milieu des épées. Et ce fou s'est dit, je vais le faire. Et regardez les images, je te promets que j'ai blanchi sur le truc. Moi, j'ai eu peur après. Oui, mais je comprends que t'aies eu peur après. Regardez non, ça. Non, déconne pas. Non, ma fille. Ah, mon corps, ton père responsable. C'est malin. Non, c'est de l'inconscience. Est-ce que tu l'as regretté après? Oui, je l'ai regretté après, ouais. T'as dû le regretter parce que quand t'as pensé, tu sais que si tu glisses, t'as pas de marque. Après, je me suis dit, c'est de la folie. Non, parce qu'il avait pas pris ses marques. C'est très facile à faire, mais faut pas tomber. Quoi. Et maintenant, regarde, le premier plus grand cabaret du monde. Bonsoir messieurs. Magnifique, à tout à l'heure. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette soirée exceptionnelle au Moulin Rouge qui fête ses 100 ans. Je vais vous demander d'applaudir ce spectacle et cette magnifique salle. Magnifique. C'est 20 ça fait ans, drôle, hein. 20 ans que ça dure, c'est pas mal pour une émission. Donc je crois qu'il y a beaucoup de prime qu'elle devait être supprimée chaque année. Tu nous as cassé les couilles pendant 20 ans. Non, je suis content. Ils vont me supprimer le cabaret et c'est toujours là quand même. Hein. Bah, j'espère, si ça pouvait durer encore un peu. Moi, je m'en fous, ça va, les 20 ans, on les a fait. Mais pour les artistes aussi. Sur la porte de la loge, tu sais ce qu'il y a marqué? Il y a marqué interdit aux stars, réservé seulement aux artistes. Et du coup, tu rentres comment là? Hein?
Tu l'aimes, Sébastien, toi ? Je l'adore. Ah, tu l'adores ? Oui. Si j'avais 20 ans de plus et si elle avait 40 ans, elle m'a dit si j'avais 40 ans de moins. Déjà, si t'avais 20 euros. Non, mais eh oui, pas... maman, les prix, ben, c'est tout à l'évidence. C'est plus les tarifs que tu pratiques ailleurs. Bah, alors, non, bah, alors je travaille plus, alors. Alors, il y a les 20 ans des plus grands cabarets du monde, évidemment. Et il y a un nouvel album qui va sortir. Il y a un nouvel album, ça c'est pour ma fille. J'assume tout. J'assume tout, c'est des chansons. Alors, ce qui est dingue, c'est que c'est ton 17e album. Ouais, alors beaucoup. Que les Beatles en ont fait 12. Ben oui. Ben... Non mais tu vois, c'est non, que... Non mais on non, s'amuse. Mais ils sont surcotés, les Beatles. Mais encore une fois, on s'amuse. Moi, quand je fais un album, c'est pas forcément pour en vendre énormément, c'est pour pouvoir en faire un la fois d'après. Ouais. Parce que je m'éclate à faire ça. Et puis surtout, il y a le spectacle derrière. Alors justement, mais ça, tu me fais mes enchaînements, t'es un vrai animateur. Ouais. Effectivement, il y a l'album. Il y a aussi le One Man Show qui s'intitule Avant que j'oublie. Le sous-titre, c'est ce que je n'ai jamais pu dire à la télévision. Ouais. Soit parce que ce que je dis est très acide et impassable à la télé, soit parce qu'il y a des choses par pudeur que je préfère dire sur scène, des choses intimes que je dis aux gens. Tu parles bien la pudeur. Ouais, ouais. Allez, je parle de l'alcool, je parle de mes rapports avec les présidents de la République, je parle de la police, je parle de plein de choses. T'as été copain avec tous les présidents, toi, finalement. Ouais, c'est ce que je raconte. Chirac, ouais. C'était ton pote. Ouais. Sarko, t'étais pas contre lui. Pas, Hollande, c'était ton pote. Mais intime, comment... mais j'ai eu des relations à peu près avec tous, soit des relations amicales. Est-ce que c'est pas un peu opportuniste, ça, d'être non, c'est parce que c'est pas la politique qui m'intéresse, c'est les hommes. J'ai échangé des messages avec le président la nuit du Bataclan. Humainement, j'apprends des choses. Il y a des choses qui m'intéressent. Il y a vraiment. Et Chirac, c'est une. Chirac, c'est autre chose. Je le connais depuis que j'ai 16 ans. Il est pote avec tout sauf Macron. Il ne veut pas être pote avec toi, Macron. Il préfère Stéphane Bern, je crois. Ouais. Il nous arrive de communiquer aussi. Ah oui. Ouais, ouais, il nous arrive aussi. Le président Macron. Non, mais c'est pas le président. C'est l'homme qui. C'est les hommes qui me. Ça me, c'est genre, comme me fascine un pochetron au fond d'un bistrot à 6h du matin. Moi, ma richesse, c'est ça. C'est d'être passé de 6h du matin d'un bar où il y avait des pochetrons, des tapins, et d'aller boire le café dans le bureau du président de la République. Et de retrouver les mêmes tapins. Il y a plein de choses vachement intéressantes. On ne peut plus rien dire. Ouais. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on ne peut plus rien dire. C'est qui, ça ? Bourdon. Bourdon. On ne peut bien, plus rien dire. Il y a raison. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Alors, on va parler de tout ça, mais d'abord, on regarde Blacko faire le point. Quand on demande aux Français de choisir un mot pour définir Patrick Sébastien, c'est populaire qui arrive en tête à 88%. Viennent ensuite grande gueule, sympathique et généreux. Bref, c'est notre patoche nationale. Les vieux le regardent le samedi soir sur France 2. On va passer une soirée de rêve. Les jeunes s'éclatent sur ses chansons dans les fiestas. Pas de doute, Patrick Sébastien est populaire. La vraie question, c'est de savoir s'il ne serait pas aussi populiste. Il y a une partie du peuple qui est en apnée parce que ils n'existent plus aux yeux des élites. Et quand je dis les élites, on me dit ouais, mais c'est quoi les élites ? Les élites, c'est des hommes d'affaires. Des politiques et des journalistes qui font la loi, voilà. Cette manière de diviser le pays en attisant la colère du peuple contre les élites, c'est typique du populisme à la Beppe Grillo. Comme Sébastien, Grillo était un humoriste à succès, jusqu'au jour où il a lancé un mouvement citoyen pour dire « vaffanculo » à toute la classe politique. Vaffanculo ! 5 millions d'Italiens reprennent encore ce cri contre les politiciens et la corruption. 10 ans plus tard, Beppe Grillo a pris du recul. Arrivederci ! Mais son mouvement 5 étoiles vient de conquérir le pouvoir en Italie. Quel rapport avec Sébastien ? Eh ben, en 2010, Patrick a lui aussi lancé un mouvement politique, le DAR, droit au respect et à la dignité. Le DAR, c'est le parti de ceux qui en ont ras-le-bol, donc... pour ne pas dire plein le cul. Avec ce mouvement, il voulait recueillir les doléances des Français pour forcer les politiques à en tenir compte. C'est de la politique, mais c'est pas un parti politique. Patrick aurait donc pu devenir un Beppe Grillo à la française. Sauf qu'au bout de 3 mois,
il a tout laissé tomber. Je ne me présenterai à aucune élection. Comme quoi, Patrick Sébastien n'a pas vraiment la trempe d'un populiste. Ce soir, je ne vous parlerai pas de politique. Voilà. Au contraire, il affiche volontiers sa proximité avec le pouvoir. Pote avec Chirac, copain avec Hollande. François Hollande, c'est mon ami. Voilà, c'est un pote. Tout le contraire d'un rebelle. Si la place n'était pas déjà prise par Stéphane Bern, il aurait adoré devenir pote avec Macron. Pourtant, Macron, c'est le président des riches. Celui qui prend de haut les gens ordinaires. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Bref, le parfait bobo de droite. Tout ce que déteste Patrick Sébastien. Ces gens-là sont d'un autre monde et moi, je préfère être dans le vôtre. Voilà. Mais que voulez-vous ? Quand on est un animateur populaire du service public, pas évident de critiquer le pouvoir en place sans risquer de perdre la sienne. De place. Et voilà. Bravo Blacko. Bravo Julien Grapp. Il est limite son truc, là. Déjà, il dit que c'était pas un parti politique. Tu dis c'est une vache, tu vas pas dire que c'est un cheval. Oui, mais après, toi, tu dis que c'est un parti... C'est un prénom, hein. Tu dis que ça... J'ai jamais fait... Non, ça a jamais été un parti politique, c'était un... Mais tu le dis, hein. Est-ce que tu aurais rêvé d'un destin à la Pépé Griot? Non, pas du tout, mais j'adore... Moi, j'ai connu Pépé Griot sur ses spectacles, qui étaient formidables. Il était dans la salle, il y avait les écrans, il balançait et tout. Et puis aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ouais. Non, mais moi, je fais pas cette politique-là. Je fais pas de politique. J'ai un avis, je suis populaire. Non, mais est-ce que tu es populaire ou populiste ? Je viens du peuple, voilà. Et je passe mon temps avec des gens qui sont là et je suis bien avec eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et je peux que constater, quand je suis avec mes potes, que les mamies, elles me disent, ouais, comment je fais avec 700 euros ? Comment je fais avec ça ? Comment je fais avec ça ? Et ça me fait chier de voir que... tous, droite, gauche, machin, et je leur en parle au président, je leur dis, putain, mais faites quelque chose pour ces gens-là. Et qu'on les laisse de plus en plus sur la route. Et moi, l'inquiétude que j'ai, vous allez tous vous marrer, tout le monde va rigoler, mais les petites graines de violence qui sortent en ce moment, à droite, à gauche, auxquelles on ne fait pas très attention, c'est un début. Si quelqu'un se permet de dire, le peuple, ils en chient, on dit, ah ouais, mais c'est un populiste. Non, c'est pas un populiste, c'est un mec qui regarde, qui écoute et qui a des amis qui n'y arrivent pas. C'est dramatique. Patrick, la vanne Macron, c'est pas le président des riches, c'est le président des très riches, c'est une vanne de toi en fait. Ouais. Et Hollande te l'a piqué. Il paraît, ouais. Et tu vois, je peux être copain avec Macron et sortir cette vanne parce que je trouve qu'effectivement, là, c'est plutôt le président des très riches. Ah ouais. Édouard Philippe, par exemple, les 80 km/h, tu dis ce n'est pas pour votre sécurité, c'est pour vous piquer du pognon. Quand tu as l'excuse de la santé, on va vous protéger, tu peux prendre le pognon que tu veux aux gens. Ouais. Mais je dis pas que ça. Je dis aussi que je trouve complètement débile la loi qui fait passer les clients des prostituées pour des délinquants. Si on doit mettre en tôle tous les mecs qui vont aux putes, il va falloir fermer le Sénat. Voilà. Et l'archevêché de Paris. Quoi. Alors, au sujet de Laurent Ruquier, tu lui reproches d'avoir dit « la télé n'a jamais été aussi libre ». Alors tu dis « c'est pas vrai ». Donc c'est un collabo, tu dis. Tu dis, il va être tendu à la libération. Non, Laurent. Je dis que c'est comme pendant la guerre, il y a les résistants et il y a les autres. Et que quand je vois Laurent qui écrit en tête du Parisien magazine, ouais, jamais la télé n'a été aussi libre, j'ai du mal, quoi. Ouais. Moi, je sais que chez moi, j'ai des coupes, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Mais regarde, si, mais dis-moi qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Dis-moi un truc qu'on ne peut pas dire. Moi, un jour, j'ai eu Miguel S. Johnson dans mon émission, dans le cabaret. Pourtant, ce n'est pas méchant. Et elle devait chanter au Sénat. J'ai dit, bah, putain, j'y suis allé au Sénat. Qu'est-ce que je me suis payé ? Qu'est-ce qui se fout ? Qu'est-ce qui se met dans la gueule avec votre pognon ? On me l'a coupé. Ah ouais ? Ça dénonce ? Non, c'est pas ça. Ça va trop loin. Il y a des trucs qu'on me coupe en me disant, ça, vous ne pouvez pas le dire. Eh bien, sur C8, hein, parce que nous, on est libre. Hein. Si tu es libre de tout dire, ouais. Sur Téléachat aussi, c'est assez libre. Hein. When I'm 64, t'as 64 ans. Ouais, je suis vieux. Alors, tu dis, je me vois pas vivre encore 10 ans. Bah, avec ce que je fume, je pense pas, non. Mais arrête, c'est une logique, je vois mes potes tomber. Mais c'est pas grave, hein. Attends. C'est pas grave, je peux peut-être tenir 20 ans, je le souhaite. Bah, tu ne bois pas d'alcool, tu manges plutôt bien, tu fumes, bon d'accord. Non, mais t'as fatigué, pas un cancer fatigué. De la gorge. Attends, on a couru partout, on est fatigué, on a couru partout. Ce qu'il y a de bien à nos âges, c'est que ça nous aide à profiter de tout. Je pense que tant que je suis dans le... Tant que je suis dans le move, ça va. Malgré Delphine Ernaud, dont on ne peut pas parler. Je te le rappelle. Tu ne dis pas un mot sur Delphine Ernaud. On est bien d'accord. Qui t'aime beaucoup, en plus. Ouais. Et je l'aime beaucoup aussi. Mais oui, aussi, tu vois, voilà. Donc, tout va bien. Alors, il y a un truc génial. Quand tu seras mort, tu dis, je veux des guirlandes sur mon cercueil et une bosse. À hauteur de la bite, ouais. La bosse à hauteur du sexe. Tu connais l'histoire. Isabelle Morini-Bosque. Non. Elle a dit, un jour, j'ai vu Patrick Sébastien à poil. Ouais.
Et si un jour vous crevez un pneu sur la route, si vous êtes avec lui, il n'y a pas besoin de cric. Elle dit n'importe quoi. Mais non, non. Qui applaudit ? Et voilà, c'était la P1. Le salut les terriens. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek et Djibril Cissé. A tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de François Damiens, de Corinne Touzet, de Djibril Cissé et de Laurent Baffy. Et de la maman de Laurent Baffy. Ma chérie. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Bon, ben on attaque directement. Direct. Politique française. C'est l'événement de la semaine. Marion Maréchal se déleste du nom Le Pen pour mieux s'envoler. En même temps, t'enlèves Le Pen, il reste quand même Maréchal. Je sais pas si c'est tellement mieux. Alors apparemment, elle hésite encore entre Marion Maréchal-Aignan ou Marion Maréchal-Vauquier. Elle se tâte. Alors on notera qu'à l'extrême droite, on est très fiers de ses racines, sauf si ça te pose un problème électoralement. Et à la suite de ça, Gilbert Collard a fait la blague à laquelle on avait tous un petit peu pensé. Il était sur un plateau de télé et il a dit « Marion Maréchal, nous voilà ». Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais qu'il est amusant. Alors d'ailleurs, je me permets, parce que c'est un collègue, de rappeler son spectacle Gilbert Collard en ce moment au caveau de la République avec Pétain Coup, ça soulage. Je vous le conseille. C'est mis en scène par Jean Roucas, c'est vraiment bien. Passons à gauche. Mariage princier, Mélenchon, goguenard devant la débilité, dit-il, du régime monarchique. Calmez-vous Thierry. Oh que ça me l'énerve. Non, il n'aime pas Mélenchon les rois. Et c'est vrai que entre nous, c'est con de maintenir le culte de la personnalité uniquement sur base héréditaire, alors qu'on peut très bien le faire via des élections internes dans son parti. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est que la monarchie, ça ressemble un petit peu à un mauvais plagiat de la France insoumise. Et tant qu'on parle de Mélenchon, sans transition, le Venezuela, Maduro, déclaré vainqueur à la présidentielle. Mais quelle surprise, moi Thierry, j'étais... J'avais plus été surpris comme ça depuis la réélection de Poutine, ou la fois où Paris a obtenu les Jeux Olympiques en étant le seul candidat. Et un des gros hics de cette élection, c'était l'abstention. 53% d'abstention. Donc on croit que le Venezuela, mais en fait, le Venezuela est pas là. Laurent Ruquier sort de ce camp. Politique internationale. Fusillade aux États-Unis, l'année 2018 a été plus meurtrière pour les élèves dans les écoles que pour les soldats américains dans le monde. Et ça, ça explique une chose. Si les militaires, ils restent pas longtemps à l'école, c'est pas parce que ce sont des cancres, c'est parce que c'est trop dangereux, en fait. Et aux États-Unis, encore cette boulette. Donald Trump se trompe dans le prénom de sa compagne. Dans une déclaration officielle, il l'a appelée Mélanie. Alors en même temps, il y a du progrès, parce que d'habitude, il ne se trompe pas que de prénom, il se trompe de femme. Et ça, c'est quand même un petit peu gênant. Santé. Pourquoi nous devrions expérimenter le cannabis thérapeutique en France ? C'est l'Obs qui pose la question et j'ai une réponse très simple. Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois Thierry Ardisson malade cette année ? Non. Ça marche, ça marche. Depuis 30 ans, depuis 30 ans, j'ai jamais raté une émission en 30 ans de carrière. Une autre étude m'a interpellé cette semaine. Alors ça, je pense que ça va parler à tous les hommes. Pour durer plus longtemps au lit, 19% des hommes pensent à leur travail. Et je vais vous dire, j'en fais partie. Quand ça marche hyper bien pour moi, je sens que ça vient. J'imagine Laurent Baffy à côté de moi en train de tirer la gueule. Et je vais vous dire, ça repart pour un bon quart d'heure. Et je vous donne les autres chiffres. 48% des hommes font une pause. 37% se masturbent avant. 17% boivent de l'alcool. Et 11% font du calcul mental. Il y a donc probablement un homme qui est en train de faire l'amour à sa femme devant sa télévision et qui s'est rendu compte que tout ça ensemble ne faisait pas 100%. Et justement, le Huffington Post, cette semaine, nous propose les 7 secrets d'une vie sexuelle épanouie dans votre couple. Alors, pas besoin de vous taper tout l'article, j'ai fait un petit résumé. Secret numéro 1 pour une vie sexuelle épanouie, avoir un amant ou une maîtresse. Et les 6 autres en découlent, avoir un amant ou une maîtresse et ne le dire à personne.
télévision. Mauvaise nouvelle, Yann Moix arrête, on n'est pas couché. Enfin, non, la mauvaise nouvelle, c'est que Christine Angot continue. Oui. On n'est pas couché. Ouais, allez, les brèves. Sud de la France, à Perpignan, 3 ans de prison ferme pour avoir mis un bébé de 14 mois dans la machine à laver. Et si vous voulez, moi, j'ai une forme de compassion pour ça, parce que nous, les hommes, on n'est pas hyper instinctifs devant la machine à laver. Comment est-ce qu'on peut savoir, si on ne nous le dit pas, que pour laver les vêtements du gamin, il faut enlever le gosse de ses habits? Oui, mais moi, j'ai jamais fait. Mais ouais. Ça a été jugé, et le gars n'a pas été blanchi. Au contraire du gamin qui, lui... Voilà. Allez, la dernière. Aux États-Unis, une enseignante tuée par balle après avoir couché avec son élève. Et ça, c'est pas bien. Moi, je préfère vraiment la méthode française où elle devient première dame. Bravo. Bah, oui. Allez, l'artiste de la semaine. Je remercie grandement France Info qui m'a fait découvrir un homme que je ne connaissais pas, Joseph Herscher, qui doit être considéré comme le Gaston Lagaffe de l'art cinétique. Et là, j'entends déjà le public me dire « Mais qu'est-ce que l'art cinétique, Alex ?» On leur fait dire n'importe quoi. C'est bon à savoir pourquoi les Allemands vont revenir. Et l'art cinétique, le public, je vous donne la réponse, c'est un courant artistique qui propose des œuvres contenant des parties en mouvement. Par exemple, voilà. Voilà, par exemple, le visage de Vincent Lindon, c'est de l'art cinétique. Alors, le plus souvent, le mouvement est produit par le vent, le soleil, un moteur ou parfois le spectateur lui-même. Et donc, Joseph est devenu célèbre sur YouTube en créant des machines compliquées qui solutionnent des problèmes simples. L'exact opposé de notre gouvernement. Alors, en gros, il se situe, si vous voulez, entre Rémi Bricca et Jamie de C'est pas sorcier. Alors, première vidéo, vous allez comprendre. Voilà, il a inventé une machine pour l'aider à prendre son petit déjeuner. Donc, on voit la boule qui descend, hop, la tartine, tout ça. Et bim, tout ça fait mécanisme. Et enfin, voilà, ça tourne avec une roue. C'est et qu'est-ce bien. Qui se passe? Paf, ça arrive dans sa bouche. C'est assez génial. Et Philippe Croison a vu le prototype, il s'est dit « ça, c'est pour moi ». Et ça continue, autre vidéo, je vais vous montrer pas mal de machines. Machine pour se couper les cheveux. Alors, vous avez envie de vous couper les cheveux, vous n'avez pas envie trop de parler avec le coiffeur. Paf ! D'abord, on enlève les côtés, qui est quand même une bonne solution. Et attention, c'est pas fini, parce qu'il faut enlever le dessus. Il a tout prévu, hop, et ça descend. Vous allez voir, et hop, le sécateur arrive pour terminer le dessus. Quand Daesh a vu ça, ils se sont dit « attention, je pense que c'est nous qu'on l'a inventé, ça ». Il est fort, il est fort. On continue, je sens que ça vous plaît. L'immanquable machine à se brosser les dents, qui consiste à s'attacher sur la tête d'un coucou suisse avec un petit cadenas qu'on verrouille parce que les dentistes conseillent de se brosser les dents pendant 2 minutes. Et puis hop, ça vous brosse les dents. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 2 minutes? Bim, le coucou sort avec la clé du cadenas, si vous permet, évidemment, de solutionner le truc. Génial. Le mec est brillant. Génial. Et on se pose sur cette question, mais comment est-ce qu'on faisait avant? Évidemment. Alors, autre jeu, on va le faire dans l'autre sens. À quoi sert cette machine? Alors, première, ça démarre comme ça, vous allez voir. C'est une boule qui descend, qui va lancer de l'eau qui va bouillir. Et grâce à ça, ça va libérer un hamster qui va donc marcher, faire retomber une autre boule qui va, hop, vous tourner la page du journal. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment une machine de gauche. Beaucoup de travail pour peu de résultats. Et je termine par ma préférée, Thierry. La machine à fourrer les dindes. Vous allez voir, la DSK, comme on l'appelle dans le jargon. Attention, la boule tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Joyeux Noël! Voilà. L'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on y comprend rien qu'on peut pas en parler. J'ai calé les oreilles. On se voit ici la semaine prochaine. Et on tourne dans toute la France. Et maintenant, on passe à notre Théo Top. Djibril Cissé, rebonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il est beau. 41 sélections en équipe de France. 96 buts en Ligue 1, plus Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool. Mais vous êtes également célèbre pour vos blessures. Ah non. C'est vrai que c'est des blessures. Ah, ah. Oh, il en rajoute beaucoup sur l'autre. La photo. Il y a beaucoup de cheatés. Oh, ouais. Oui. Il y a beaucoup de cheatés. Double fracture tibia péronée. Et vous êtes aussi célèbre pour votre look, vos coiffures, vos tatouages, évidemment. Regarde, oh là là.
Waouh. Alors. Alors, Djibril, vous êtes une vraie fashion victime. Il suffit de regarder vos radios. Ça, c'est les hanches. Ça, c'est le tibia. Il a été condamné pour fausse fracture. Hein. Ouais. Et ça, c'est le genou. Voilà. Alors, sérieusement, vous avez une prothèse de hanche maintenant. Ouais. Elle est bien, elle marche bien. Ouais, elle marche bien. Non, c'est pour la maman de Laurence. Il est fou. Non, ça se fait bien. Vous avez annoncé votre fin de carrière, Djibril, il y a 2 ans. Mais après la pose de cette prothèse de hanche, depuis septembre 2017, vous jouez en amateur en Suisse, en 3e division, à Yverdon-les-Bains, où vous avez marqué 15 buts en 16 matchs. C'est mieux que Giroud. Non, il joue à un niveau un peu plus haut. Donc Alors à Yverdon, vous gagnez quand même du pognon, hein, vous gagnez quand même 21 800 euros par mois. Vous bénéficiez d'un appartement, d'une voiture, d'une carte d'essence. Et pourtant, le 19 mai 2018, c'est-à-dire samedi dernier, vous avez joué votre dernier match sous les couleurs du club d'Yverdon. Ouais. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Pour votre dernier match, oui. Vous avez fondu en larmes en voyant débarquer celui que vous considérez comme votre deuxième papa, Giroud. Ouais. Il est venu. Oui, il est venu, il a fait le déplacement. C'était une grosse surprise, c'était beau. C'est très émouvant de vous revoir avec Giroud, parce que Giroud, quand même, c'est lui qui a appelé votre maman en 1996 en lui disant « Laissez-le venir à Auxerre, quand même, hein, c'est... » Nous, on a vraiment apprécié ça parce que moi, j'avais 14 ans. Donc, lui est entraîneur des pros. Ouais. C'était pas trop son secteur, les jeunes. Donc, c'est qu'il a vraiment cru en moi et il a vraiment vu un potentiel. Donc, c'était vraiment important pour ma mère. C'est votre deuxième père, Guiraud. Hein. Ouais. Ouais, vous dites, j'ai pas honte de dire. M'a aidé à ne pas partir en sucette. Mmh. Et alors, il y a un truc génial. C'est que Giroud, en fait, il était de mèche avec les mecs du péage de l'autoroute. Ouais. Et chaque fois que celui-ci partait en boîte de nuit, les mecs appelaient, j'ai, il est passé là. C'est extraordinaire cette histoire. Ouais. Donc il était prévenu à chaque fois. Ouais, on regarde quand vous en parliez. Giroud, il sait que vous êtes là? Non. Aïe, 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 aïe. Tu veux sa mort? Ah, il va y avoir baston à Auxerre, là, je vais te dire, ouais, quand il va rentrer. Ça va chauffer, ça va chauffer. Il vous flippe vraiment quand même, non, là-bas? Ouais, ouais, toujours. Hein? Il est dur, hein, quand même. Hein. Ouais, il est dur, ouais. Puis là, il est revenu, là, il avait en forme l'autre soir, là. Ouais, ça va, il avait de la voix. Ouais, ouais. Ouais. Vous engueulez, là? Ouais, un petit peu, ouais. Il arrête pas. Hein. Ici, vous êtes là, Giroud, là, ce soir, là? Ah. Non. Ah. Non. Ah, ouais. En plus, tu t'arrangeras avec lui. Mais là, remarque, Guillaume, il est déjà couché, là, mais non? Tu vois l'avantage, c'est ça, oui. C'est tellement charmant. Non, c'est beau. C'est beau et... Et là, il sait que t'es là? Là, non, mais c'est vrai qu'il y a tellement un décalage entre lui et moi que les gens arrivent pas forcément à comprendre mais il vous ce qui peut se passer entre nous. Oui, non, il vous aime vraiment. Il sait que je l'aime aussi. Ouais. Alors... Bon, on va profiter du fait que vous soyez là. Vous pensez quoi pour la Russie des choix de Didier Deschamps? Moi, je trouve que c'est cohérent. Il y a beaucoup de jeunes, hein, quand même. Hein, ouais. Ils ne sont pas expérimentés, quand même. Hein. C'est un peu le point faible, un peu, si je peux appeler ça un point faible, de cette génération. Ouais. Ouais. Mais les mecs n'ont pas beaucoup de matchs. Hein, Mais ils jouent tous dans des top clubs européens. Donc, ils ont l'habitude... Tous les week-ends d'avoir la pression, donc ça devrait aller. Il y a le problème Rabiot déjà, c'est-à-dire que ce connard a écrit une lettre à Giroud. Faut pas dire ça, c'est un môme. Ouais, c'est un gamin, il a fait une bêtise, Ouais. C'est sa mère. Ouais, il paraît, oui. Tant que Deschamps sera le sélectionneur, il jouera pas en équipe de France. Ouais, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Il aura jamais le label Deschamps. Non. Mais ce qui est... Moi, je vois ça plus comme une... Voilà, un rêve de gosse qui s'écroule. Il était peut-être triste, trop confiant et sûr d'être dans le groupe. Et finalement, il n'y est pas. Et c'est une réaction maladroite. Il a mal réagi. Ouais. Et puis, un autre problème, quand même, c'est que Benzema n'est pas sélectionné. Et ça, c'est quand même emmerdant. Oui, mais ça fait longtemps que c'est oui, d'accord, que mais que ça vous, 48, déjà. Ça vous choque, j'imagine.
Oui, parce que c'est le meilleur joueur français pour moi. Aye. Mais après, ça fait longtemps que Karim est, enfin, est condamné en équipe de France. Karim... Après, il y a les joueurs, et lui, il le sait très bien. Il y a les joueurs, il y a le collectif. Moi qui étais président de club aussi, il y a les joueurs, et il y a le groupe. Il y a le groupe. Oui, d'accord. Toi, t'étais président de club échangiste. Alors... Non, j'ai été président et j'étais champion d'Europe et je t'emmerde. C'est vrai. Hey, Coupe d'Europe avec Brive, hein, quand même. Ouais, hein, Coupe d'Europe, il faut le dire, hein, quand même. Sérieusement, l'histoire de la sextape de Valbuena. Vous, vous avez été blanchi, évidemment, vous avez fait chier pendant des années. Pas tant que ça, hein. Si, si. Mais Benzema aussi, il a été blanchi dans l'affaire. Donc il pourrait revenir en équipe de France. Oui, oui, légalement, oui, il peut. Après, je pense qu'il y a, ouais, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière et on ne sait pas tout. Platini. Oui. Quand il dit qu'il y a eu des magouilles à la Coupe du Monde 98... Bon, la France a gagné, mais il dit quand même qu'il y a eu des arrangements. Est-ce que c'est pensable ? Pour moi, non. Parce que voilà, la Coupe du Monde, c'est le Graal, c'est la compétition la plus importante. On peut me proposer tout l'argent du monde. C'est une finale de Coupe du Monde. S'il faut la gagner, je la gagne. Souvenez-vous d'un truc quand même, Ronaldo, brésilien. Hein, oui. Il a eu une gastro le jour du match. Mais il a joué. Après, la France a été largement au-dessus, donc je pense au-dessus pas. Au-dessus du Brésil. Ouais. Vraiment. Si j'ai bien compris, les magouilles, c'était pour arriver à ce c'est pour être sûr que la France et le Brésil se rencontrent en finale. C'était assez courant hein, dans les... C'est vrai, ça s'arrange, ça, non ? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Vraiment. Tu veux un avocat ? Non, non, vraiment. Alors, le look fait partie intégrante de votre personnage, si c'est... D'abord, les tatouages, alors ça, je veux... Oh là là, c'est très beau. Ça. Et vos abdos, c'est des tatouages ou c'est des vrais ? Non, c'est des vrais. J'en fais beaucoup par jour, quand même. Ce qui est incroyable, c'est quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous cachez vos tatouages. En fait. Oui, par respect... Là, les musulmans et les juifs ne se font pas tatouer. Par respect de ma famille qui est... Bien sûr. Qui sont musulmans. Surtout que votre frère est imam. Oui, mon frère Faudé. Faudé, oui. Imam en Belgique. Oui. En Belgique, à Bruxelles. Et vous êtes converti au catholicisme ? Moi, oui, en fait, à l'âge de 11 ans, Nîmes est venu me chercher en Arles. Et il mettait les élèves dans des écoles catholiques, donc j'ai appris... Les prêtres choisissent, je suis... voilà, Et votre croix, vous ne la montrez plus, là ? Non. Pour ne pas choquer. Je le garde pour moi. Voilà, pour ne pas choquer, vous avez raison. Voilà. Alors, au niveau du look... On voit des photos, vous avez vraiment des looks absolument insensés. C'est incroyable. Alors, vous piochez, en fait, dans les cultures des pays que vous traversez pour créer votre style. C'est une fille qui a fait ça. Oui, c'est une jeune créatrice parisienne. C'est vachement bien. Qui était internée depuis. Alors, en 2013, Djibril, vous avez créé votre marque qui s'appelle Monsieur Lenoir. Ouais. Alors, quand on lui dit pourquoi Monsieur Lenoir, il dit parce qu'à l'époque, on disait hey, « Eh, le noir !» Et il disait « Non, monsieur le noir voilà. !» Exactement. Il y a aussi une marque qui s'appelle « Design Your Caps ». Ouais. Donc là, c'est pour des casquettes customisées. Oui. Et une marque qui s'appelle « Monarchy London voilà. » pour les bagages pour hommes. Vous avez vraiment du talent, hein. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est rare les footballeurs qui sont aussi des designers de mode. Enfin, je veux dire... Ouais, j'ai baigné dedans, moi... Petit, mon père était déjà fan de mode, mes frères aussi, et voilà. Alors, vous faites plus tellement DJ maintenant. Un peu aussi, quand même. Un peu quand même, parce qu'il y a un truc là qui est bien, c'est avec DJ Lewis. Ouais. Black Soldier. Ouais. On écoute. Alors, quel est votre pronostic pour le match Liverpool-Real qui vient juste après l'émission là ? Il y a deux avis. Il y a le... Voilà, le cœur et le fan de Liverpool qui dit qui voudrait Liverpool, mais le professionnel du foot qui dit que le Real Madrid est costaud quand même. Ah ouais, c'est le Real qui va gagner. C'est une finale, voilà, on ne sait jamais. Moi, j'ai eu la chance de la gagner avec Liverpool. On perdait 3-0 à la mi-temps contre Milan. Et on a réussi à revenir au score et à gagner au penalty. Donc, il n'y a rien de joué. C'était la plus belle finale de Ligue des Champions. Hein. Ils l'ont mis deuxième. Ah bon ? Ouais, pour moi, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la première. Pour moi, c'est génial. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Patrick, François,
Corinne. Djibril. Véry. Laurent. Et la maman. Je vous laisse avec la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real. À demain pour les Terriens du dimanche avec Marlène Schiappa. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.